Mardi 3 octobre 2017, merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Bienvenue dans cette émission Café Débat. Un plaisir pour moi de vous retrouver au compte de cette émission après un bout de temps d'absence. Nous nous retrouvons pour continuer l'émission Café Débat, vous le savez, cet espace qui est consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité au quotidien. Et nous donnons la parole ici à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. C'est pour cela qu'au compte de ce numéro de reprise de Café Débat, je reçois comme invité Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral. Avec lui, on va parler d'actualité politique, mais aussi des festivités du 2 octobre et bien d'autres sujets qui correspondent au processus électoral. Dr Faya, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci de me recevoir et je dis bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de Café Débat. Premier sujet, c'est justement la fête de l'indépendance du 2 octobre qui a été donc célébrée hier. Vous êtes président de parti politique et donc à cette occasion, le Bloc libéral a invité la presse et a donc fait un discours. Quelle est la quintessence de ce discours du Bloc libéral à l'occasion de cette fête du 2 octobre? D'abord, merci de l'opportunité que vous nous offrez de revenir sur ce message que nous avons envoyé hier à nos compatriotes. Naturellement, quand il y a anniversaire, on se souhaite joyeux anniversaire. Donc, c'était le premier objectif. On voulait souhaiter à tous nos compatriotes, ici en Guinée et ailleurs, un joyeux anniversaire, le 59e anniversaire de notre indépendance. Le deuxième objectif, c'était de rendre hommage à tous ceux qui se sont battus pour que nous ayons cette indépendance, à tous ceux qui se sont battus, qui ont payé de leur vie, de leur sang, pour que cette indépendance puisse, se réaliser. Nous avons également profité pour remercier tous les peuples à travers le monde, épris de paix, de justice, de liberté, qui ont soutenu, n'est-ce pas, notre peuple dans ce combat historique pour, n'est-ce pas, l'acquisition de son indépendance. Nous avons aussi posé un regard sur les 59 ans et nous avons trouvé que les aspirations du peuple de Guinée n'ont pas été satisfaites à cause des carences de leadership que nous avons notées. Parce que le potentiel, il est là, les atouts, ils sont là, mais nous sommes aujourd'hui dans un pays dont la population n'a ni eau potable, ni électricité, les routes sont dans un état piteux. Alors, vu le potentiel que nous avons par rapport aux conditions dans lesquelles nous vivons, nous avons donc pointé un doigt accusateur à ces gouvernants à cause de la malgouvernance qu'ils ont érigée en système. Et donc, c'est cela que nous avons fait passer comme message et nous avons lancé un appel à tous les compatriotes de rejoindre le Bloc libéral qui veut changer, n'est-ce pas, cette descente aux enfers. Et nous avons prouvé depuis notre existence, à travers notre constance, à travers notre vision, que si les compatriotes nous font confiance, eh bien, nous pouvons inverser complètement la tendance. Donc, on va dire le 2 octobre, c'est l'occasion quand même chaque année de dire ce que nous avons fait de notre indépendance en matière de gestion politique et économique du pays depuis ces différents régimes qui se sont succédés. Tout à fait. Alors, le dernier pan de votre discours de dire que les Guinéens ne sont pas forcément satisfaits des acquis de l'après-indépendance. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde donc avec le général Fassiné Touré, qui est actuel médiateur de la République, qui a dit hier que nous n'avons pas été de bons héritiers, c'est-à-dire leur génération? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je crois qu'il a été franc, hein, parce que c'est un doyen qui a participé à la gestion de notre pays pendant longtemps. Hein, c'est eux qui ont été les acteurs de la prise de pouvoir par l'armée guinéenne en 84. Donc, par la suite, il a occupé de hautes fonctions. Alors, c'est un peu une manière de poser un regard critique sur ce que lui-même, en tant qu'acteur, en tant que fils de ce pays, qui en a eu l'opportunité, parce que ce ne sont pas tous les Guinéens qui ont eu l'opportunité de montrer ce qu'ils peuvent pour faire avancer notre pays à des fonctions aussi élevées que celles occupées, n'est-ce pas, par le général Fassiné. Donc,
c'est un regard objectif, n'est-ce pas, qu'il a posé et pour dire qu'ils n'ont pas été de bons héritiers. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et lui et le président Alpha Condé, ils n'ont pas été de bons héritiers, n'est-ce pas, de cette indépendance. Donc, j'ai dit tout à l'heure, c'est le 2 octobre l'occasion de se féliciter de l'obtention de cette indépendance et de ce qu'on a fait comme action pour amener notre pays vers le progrès, vers l'émergence, vers le développement. Aujourd'hui, quand on regarde autour de nous et qu'on se dise, on se tague la poitrine de dire oui, on a été fiers d'avoir obtenu notre indépendance, les premiers avant les autres, mais au plan économique, au plan conditions de vie de population et à l'époque de la gestion d'Alpha Condé, est-ce qu'on peut en être une seule fois fier, en être content ou plutôt fallait être triste? Il n'y a pas, tout n'a pas été rose. Hein. Dans notre message hier, nous avons montré quelques motifs de fierté pour les Guinéens. D'abord, le fait de réclamer son indépendance le jour qu'on l'a réclamé, c'est une fierté pour les Guinéens. Mais aussi, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, il y a eu beaucoup de choses que nous avons faites et qui ont été une réussite, comme par exemple au niveau de nos relations avec le reste du monde. La Guinée a pris une part active et de manière très remarquable dans la libération d'autres peuples qui étaient sous le joug colonial. On se rappelle du passage de nos soldats en Guinée-Bissau, en Angola et sur bien d'autres terrains. Et encore aujourd'hui, nous avons des soldats qui sont sur beaucoup de terrains de conflit. Et de ce point de vue-là, c'est un motif de soulagement, un motif de fierté. Bien. Nous avons également était parmi les premiers artisans de la construction de l'unité africaine. Le premier secrétaire général de l'OUA, n'est-ce pas, devenu Union africaine, n'est-ce pas, a été un Guinéen, la personne du Diallo-Télé. Diallo-Télé, paix à son âme. Et donc, la Guinée, de ce point de vue, a un motif de fierté à témoigner. C'est au niveau intérieur, la manière dont nous avons géré notre économie, la manière dont nous avons géré les Guinéens, la manière dont nous avons géré nos activités sociales, etc., etc., c'est à ce niveau-là que le bas a blessé. Et c'est pour cette raison, dans notre discours, nous avons dit l'élément responsable de cela, c'est la malgouvernance qui a été érigée en système depuis pratiquement l'accession de notre pays à l'indépendance. Et donc, dans d'autres aspects de votre discours, vous vous êtes attaqué aussi à la stratégie que Alpha Condé a mise en place à son arrivée de faire une sorte de célébration tournante des festivités du 2 octobre. Et sur ce côté, et dans votre discours hier, vous avez dit que elle a été inégalitaire. En quoi pensez-vous qu'il y a été des célébrations inégales, inéquitables des festivités du 2 octobre dans les différentes régions de la Guinée? S'il y a une politique du professeur Alpha Condé que j'ai appréciée quand on l'a annoncé, c'est lorsque le président a dit que la Guinée, c'est pas Conakry seulement. Et donc, il y avait la Guinée au-delà de Koya, hein, au-delà même de Mamou, au-delà de Kissidougou, il y avait la Guinée. Et donc, il allait faire en sorte que la fête nationale soit vécue à l'intérieur du pays, soit fêtée à l'intérieur du pays. Il a commencé par Bokeh. C'était en 2012. J'ai beaucoup apprécié cette initiative. Cette année-là, pour Bokeh, 5 préfectures, régions administratives, il y a eu une dépense totale de 110 milliards. Alors, l'année suivante, c'était le tour de la région forestière. Parce que ce qu'il faut faire comme différence, c'est que quand on parle de la région forestière, il y a la région administrative de Nzérékoré qui compte 6 préfectures, il y a la région forestière qui compte 7 préfectures. Les 7 préfectures, c'est de Kissidougou à Beyla. Alors, la fête qui a été envoyée en 2013 en région forestière, c'est en fait la région naturelle de Kissidougou à Beyla. Donc, les 6 préfectures plus les 7 plus Kissidougou, ça fait 7. Et donc, pour les 7 préfectures, il y a eu une dépense totale de 62 milliards. Ça, c'est ma source. C'est la RTG même. Je peux déposer à qui veut obtenir cette vidéo et ils verront les chiffres que je suis en train de dire défiler dans un montage de propagande. Donc quand vous parlez d'inégalité, c'est à ce niveau-là. La célébration des fêtes dans les 4 régions, c'est le côté budget. Voilà. Octroyé, qu'est-ce qu'on a alloué comme enveloppe pour faire des réalisations dans telle région, dans telle autre région. Je vais continuer la narration pour dire que lorsqu'on a quitté en 2013,
hein, la région forestière. On est venu dans la région administrative de Mamou. Là-bas, nous avons trois préfectures, dont Mamou même, Dalaba et Pita. C'est 240 milliards qui ont été dépensés en 2014, n'est-ce pas, dans les trois préfectures. Faites la différence avec Bokeh. Bokeh, 110 milliards. 10 milliards. Donc, plus du double de ce qui a été dépensé à Bokeh a été dépensé à Mamou, alors que Bokeh, c'est 5 préfectures et Mamou, c'est 3 préfectures. Maintenant, comparez ce qui a été dépensé à Bokeh et ce qui a été dépensé en forêt. Hein, c'est presque la moitié qui a été dépensée en forêt. En forêt, 62 milliards. Le plus grand nombre de préfectures. Le plus grand nombre de préfectures. 62 milliards. Et lorsque vous comparez les 3 préfectures de Mamou aux 7 préfectures de la région forestière, vous verrez que ce qui a été dépensé pour la région administrative de Mamou est plus de 4 fois ce qui a été dépensé à la région forestière. Et la fête qu'on est en train jusque-là de repousser l'année dernière, la fête n'a pas été fêtée en 2015. Hein? En 2016 également, la fête n'a pas été fêtée. Mm-hmm. Hein? Parce que si en 2015, on comprenait que c'était l'année électorale, etc., etc., hein? 2015, la fête n'a pas été fêtée. En 2016, ça n'a pas été fêté. Mm-hmm. Et 2017 également, le 2 octobre, n'a pas été fêté. Donc ça fait 3 ans mm-hmm. que nous montrons qu'il y a un véritable malaise, qu'il y a un véritable un symptôme d'un échec hein, de la gouvernance du professeur Alpha Condé. Parce que ce qui a été annoncé pour la région administrative de Kankan, 5 préfectures, c'est Kirouani, c'est Mandiana, c'est Kankan même, Kouroussa et Sigrin, c'est 1100 milliards. Alors, 1100 milliards. 1100 milliards. Alors, les 1100 milliards, qu'est-ce qu'on en a fait? Il y a beaucoup de chantiers qui ont commencé, qui sont loin encore de finir. Si on va pour faire la fête, c'est aussi pour inaugurer. Mais qu'est-ce qu'on va inaugurer lorsque les chantiers, certains chantiers, ne sont qu'au début? Vous vous rappelez de cette actualité, lorsque tous ceux qui ont pris de l'argent avec les banques pour préfinancer, n'est-ce pas, ces réalisations, ces chantiers, n'ont pas obtenu, n'est-ce pas, le paiement de l'État. Alors finalement, ces sociétés sont en faillite aujourd'hui. Hein? Les banques subissent cette réalité. Et donc, si on voit que d'année en année, on repousse l'inauguration de ces installations ou de ces chantiers en Haute-Guinée, c'est peut-être parce que la malgouvernance est passée par là également. Et donc, les réalisations n'ont pas été terminées. Donc, un traitement... plusieurs poids, plusieurs mesures, on peut dire comme ça, dans les festivités tournant de l'indépendance. C'est quand même une question, je pense que c'est un sujet auquel il faut s'attendre, pour que les autorités expliquent le pourquoi de tel budget pour telle région. Quand on a donné 100 et quelques milliards à Bokeh et qu'on donne 62 milliards à la forêt, alors qu'en matière de densité de la population et de superficie, est plus grande que donc dans la région de Bokeh. Tout à fait. Pourquoi donc 62 milliards à la forêt et 100 et quelques milliards à Bokeh? Et vous allez vers Mamou, on octroie 200 et quelques milliards, et puis Kankan aujourd'hui c'est 1000 et quelques. C'est quand même des écarts. Alors est-ce que vous pensez que vous êtes amené à demander l'autorité ou à interpeller l'État à donner des explications sur ces budgets-là? Écoutez, d'abord, nous avons communiqué longtemps sur ces budgets-là. Rappelez-vous, quand on était en campagne électorale en 2015, c'est la dénonciation de ces injustices qui avait fait que certains de nos éléments, on avait voulu refuser de les passer à la télévision nationale. Donc, les autorités sont interpellées par rapport à cela, qu'on nous donne des explications. Pourquoi 62 milliards pour cette préfecture en région forestière, 110 milliards pour Bokeh avec 5 préfectures et pour Mamou, n'est-ce pas, 240 milliards pour 3 préfectures. Et du point de vue de la densité de la population et du point de vue de la superficie, etc., etc., il n'y a rien qui peut expliquer ça. Donc, seuls eux peuvent nous expliquer pourquoi, n'est-ce pas, la forêt doit avoir 62 milliards, Bokeh 110 milliards et Mamou... C'est quand même forfaitaire, quoi, en quelque sorte. Justement. Et il y a un autre message qu'il faut envoyer à la population. Parce que l'homme politique... En tout cas, les politiciens qui nous ont fait échouer de la génération des Alpha, le fait de les soutenir ne vous attire pas nécessairement du bonheur. Bien. Il faut le dire. Bien. Parce que si on peut considérer que, même s'il y a beaucoup de manipulations qui accompagnent ça, que près de 50% des gens qui sont au sud votent pour le RPG,
à Mamamou, je ne crois pas que le taux de vote pour le RPG est encore dépassé, même les 15%. Oui, peut-être quand ils mettent plus de fonds. Voilà, à Mamou, c'était pour séduire l'électorat. Et ça, c'est un message qu'il faut envoyer au Sud. Parce que le Sud a toujours été le grand soutien de tous les gouvernements dictatoriaux de la Guinée. Bien. Hein, avec M. Sékou Touré, c'était les fédérations pilotes en région forestière. Le soutien était à 100%. Durant les années de Lansana Conté, même ceux qui dirigeaient la campagne électorale pour Lansana Conté en région forestière ne recevaient pas de budget parce qu'on leur disait non, là-bas on sera soutenu de toutes les façons, tout le monde est pour nous. Donc les budgets, on donnait de l'argent à ceux qui allaient faire la campagne en Moyenne-Guinée, on donnait de l'argent à ceux qui allaient faire la campagne en Haute-Guinée, mais en forêt on dit non, ils sont déjà acquis, il n'y a pas de problème. Bien. Alors ça doit faire réfléchir les compatriotes qui sont au Sud que le fait de soutenir la dictature ne vous apporte pas nécessairement le bonheur. Bien. L'exemple le plus éloquent, c'est les 62 milliards que vous avez mérités par rapport à 110 que vos confrères de Bokeh ont bénéficié et 240 milliards que vos confrères de Mamou, Dalaba et Pita ont bénéficié. Alors on se demande pourquoi pas un budget uniformisé tout simplement. En principe, dans une république qui est fondée, toute république est fondée sur des principes. Un des principes fondateurs d'une république, c'est l'égalité entre les citoyens. Alors, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'ils n'ont pas peut-être passé en revue le niveau des besoins? C'est-à-dire qu'on parle d'infrastructures, qu'on voit qu'on a besoin de moins de commissariats à Zérékouré à date qu'à Mamou, moins d'écoles à renouveler ou de routes à refaire à Zérékouré qu'à Mamou. Est-ce que les budgets n'ont pas obéi à ces besoins-là? Ça, c'est de Vaudou maintenant, parce que la population à région forestière est la plus grande en termes les besoins infrastructurels. Donc, les besoins infrastructurels sont encore plus criard, allez-y en région forestière, je vous dis, à un moment donné, Guékédou, par exemple, était ce que je peux appeler un des poumons de l'économie guinéenne. Guékédou, le marché de Guékédou était un marché international. Les gens quittaient le Mali, les gens quittaient l'Australie, avant la rébellion. Alors aujourd'hui, Guékédou n'a bénéficié d'aucune solidarité guinéenne. Bien. Pourtant, la solidarité, elle est bien guinéenne parce que ça fait partie de notre devise. On ne peut pas parler de manque de besoin à Guékédou. Allez-y aujourd'hui à Guékédou. Guékédou est coupé de toutes les sous-préfectures. Bien. C'est pourquoi le marché de Guékédou est devenu pauvre. Parce qu'on va à Guékédou parce que les gens quittent avec les produits Wende Kenama, Fangamandou, Nongwa, Kundu, Tekulo, Gendembou, Kassadou, Bolodou, etc. et Temesadou pour venir à Guékédou centre. Mais il n'y a plus de route aujourd'hui. Donc, si vous allez au marché de Guékédou, c'est tout à fait perceptible que donc, on va davantage s'intéresser à cette problématique que vous venez de poser. Les budgets alloués depuis 2011 aux différentes régions pour leurs festivités de façon inégalitaire. Ouais. On va s'intéresser à ce dossier, mais restons dans le cadre du discours. Vous avez fait votre discours hier, mais réagissez cette fois-ci au discours cette fois-ci du président Alpha Condé dans ses différents aspects. Quand je prends l'aspect politique, par exemple, Alpha Condé vous a interpellé, vous, politique, en disant justement que c'est pas parce que vous n'appartenez pas aux mêmes formations politiques que vous ne pouvez pas, à un moment donné, harmoniser vos idées, vous retrouver pour aller ensemble dans le cadre du développement de la Guinée, du progrès de la Guinée. Qu'est-ce que vous dites de ce message d'Alpha Condé à votre endroit lors de son discours, de son adresse à la nation? Sur le plan de discours, je suis tout à fait d'accord avec lui. En fait, le fait d'appartenir à des partis différents simplement signifie que nous regardons le développement de notre pays avec des lunettes différentes. Mais nous sommes des frères et sœurs avant tout. Et donc, nous devons être en mesure de transcender la dimension partisane pour se retrouver autour de la Guinée et mener des projets ensemble. Yeah. C'est comme ça que dans tous les pays sérieux, la politique se fait. Mais la politique se fait avec trop de partisanerie dans notre pays. Et ce message, en nous l'adressant, nous avons pris acte, mais le président devait commencer par se regarder dans le miroir et dire, Monsieur Alpha Condé, il faut que vous compreniez. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut qu'il adresse le message-là d'abord à lui-même. Parce que... Donc il fasse preuve d'exemple. Partisanerie, je crois que c'est lui qui est le champion
hein, en cela. Tous les actes qu'il a posés, c'est dans le cadre de l'adversité, de la partisanerie. Je crois qu'on peut aller au-delà de cela. Et il l'a dit dans son discours, mais dire une chose est une chose, faire la chose est une autre chose. Donc, nous invitons le président Alpha Condé d'abord à mettre un peu d'eau dans son verre, lui-même, parce que cette fois-ci, au moins, ce qu'on peut féliciter dans son discours, ce qu'on peut dire pour le féliciter après ce discours, c'est qu'il n'a pas insulté cette fois-ci. Bien, il n'a pas insulté cette fois-ci. Il y a eu un aspect aussi, on va dire, développement économique de son discours. Il a fait référence au fameux 20 milliards de dollars obtenus de la Chine, mais aussi des perspectives assez, on va dire, attrayantes en matière de croissance économique, où il a parlé de 6%, il faut se réjouir de cela. Donc il a un peu ouvert une sorte de fenêtre d'espoir aux populations dans ce discours pour l'année 2018 et les années qui vont suivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet autre pan de son discours? Bon, là-dessus, il faut nuancer, parce que le président nous dit que les économistes, les macroéconomistes, sont d'accord de dire qu'il y a croissance de l'économie guinéenne. Mais là où le Guinéen lambda ne comprend pas ce qu'on appelle croissance de notre économie, c'est que quand on voit les autres indices du développement humain, par exemple, nous voyons que la Guinée s'enfonce. Ça veut dire que les Guinéens, de plus en plus de Guinéens sont pauvres d'année en année. Et de l'autre, on nous dit l'économie guinéenne est quand même en train de croître. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? À supposer que l'économie croît, comme une logique. Il y a de la création de richesses. Il y a création de richesses, alors qui les possède? Il n'y a qu'une petite minorité, peut-être ces conseillers qui sont très nombreux, peut-être à la présidence, mais aussi les membres du gouvernement. Voyons bien que les membres du gouvernement, le ventre pousse, et pendant que celui des populations est en train de rétrécir. Quand on sait, par exemple, aujourd'hui, qu'il suffit d'être ministre pendant un mois ou deux ou trois, on peut se construire, n'est-ce pas, un hôtel de 5 étoiles, ou même, c'est pas moi, de 3 ou 4 étoiles. On construit des villas par-ci ou par-là. Donc, s'il y a création de richesses, effectivement, dans notre pays, il faut se demander qui est en train de les utiliser. Parce que les populations, elles sont en train de s'appauvrir tout le temps. Donc, dans le discours d'Alpha Condé, l'espoir qu'il est en train de donner au peuple, vous pensez qu'il n'y en a pas Non, il n'y en a pas. Parce que si on part des faits d'aujourd'hui, c'est qu'il y a certes croissance de l'économie guinéenne, donc création de richesses, mais ces richesses qui sont créées ne parviennent pas à la majorité de la population qui s'appauvrit tous les jours. Une autre dimension de ce discours, quand il a parlé des 20 milliards, l'annonce des 20 milliards qu'on va investir dans notre pays, tout ça c'est beau. Mais ce n'est pas le manque d'argent qui fait que nous avons des routes que nous avons, que nous avons des écoles que nous avons, que nous avons des universités que nous avons, que nous avons, n'est-ce pas, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. C'est la mauvaise gestion de l'argent que nous recevons. Tout à fait. Vous comprenez? Prenez un exemple. Il ne va pas en Haute-Guinée parce que ça va lui rappeler toujours le fait que la route de Kissidougou à Kankan, qui est une route de 195 km, qui a été donnée par une méthode de gré à gré d'ailleurs, à Ebomaf. Et l'argent aurait été donné à cette société. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul mètre de bitume sur cette route. Alors, c'est la mauvaise gestion de ce que nous avons qui fait que nous avons les routes que nous connaissons, que nous avons des écoles que nous connaissons, que nous avons des universités que nous connaissons, que nous avons des rues ornées aux poubelles que nous avons, donc etc. Vous présumez que ces 20 milliards, même s'ils arrivent, vont encore les bouffer, c'est cela? Si ça arrive, il faut se poser la question. D'abord, il faut vraiment se demander si ça arrive. Bien. Parce qu'on nous avait annoncé aussi des milliards par le passé. Par exemple, avec Mubadala, on nous a annoncé ça. On nous a annoncé également avec Rio Tinto. Mais je dis encore pour ajouter, pour terminer par rapport à cela. Au BL, nous sommes conscients que nous sommes riches de richesses naturelles, de mines. Mais il y a des mines dont on ne peut pas bénéficier à court terme. Je prends la bauxite. À moins qu'une véritable politique de visionnaire se mette en place pour exiger que, en se dotant bien entendu des infrastructures énergétiques, que nous transformions sur place la bauxite en alumine, l'alumine en aluminium. Bien. Un, nous aurons une valeur ajoutée. Deux, nous allons créer de l'emploi et mettre tous ces jeunes au travail, les Guinéens au travail. Mais aussi longtemps que nous continuerons à prendre la terre elle-même pour aller en Chine, hier c'était au Canada, aux États-Unis, que ça parte en Chine ou au Japon, c'est la même chose. Bien. Les Guinéens n'auront que la poussière à inhaler.
et la pauvreté à vivre avec. Malheureusement. Bien. On va donc observer la pause dans cette émission. Je rappelle, diffusée chez nos partenaires libreopinionguinée.com. Derrière la pause, on se retrouve pour continuer notre débat. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement le feuille soigneusement sélectionné en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels, avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux quatre coins de la Guinée. Contacte Kankan Korosa 669 00 59 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forekaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Je l'ai dit, un plaisir a été donc pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour la reprise de cette émission diffusée chez nos partenaires de libreopinionguinée.com et toujours à mes côtés sur ce plateau, Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral. C'était l'occasion pour nous, au lendemain du 2 octobre, de revenir sur ce qu'on peut retenir des acquis de l'indépendance, de ce que les différents régimes sont en train de faire de cette fierté nationale. Et le discours du BL à cette occasion, il est revenu sur le bien fondé, la quintessence de ce discours et sa réaction au discours cette fois-ci d'Alpha Condé. Cette fois-ci, on va parler de... Justement, on va terminer avec les festivités du 2 octobre. Vous, qu'est-ce que vous avez à dire sur, par exemple, l'absence du chef de file de l'opposition, Sibylla Ndiallo, à cette cérémonie? Parce que c'est important, ça fait débat. C'est le chef de file de l'opposition, il est cité dans le protocole d'État. Et hier, il n'y était pas du tout. Quelle explication vous trouvez à cela? La mauvaise foi ou le hasard? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une mauvaise foi. Tout le monde est d'accord que le chef de file de l'opposition, c'est désormais une institution dans notre pays, donc qui est dans l'ordre protocolaire. Quand il y a des rencontres officielles, ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Je ne cherche pas à trouver des excuses au chef de file de l'opposition, qui doit bien sûr assumer ses responsabilités vis-à-vis de l'État. Ça peut être dû au fait que peut-être qu'il était malade ou il n'avait pas la bonne information. Je ne lui cherche pas d'excuses, mais je ne sais pas vraiment. Ce que je peux dire, c'est que à ce stade, au moment où on a effectivement fait du chef de file de l'opposition une institution de la République qui reçoit des fonds, n'est-ce pas, de l'État, lorsque ça rentre dans le cadre de ses devoirs vis-à-vis de la République, je crois qu'on devait se présenter là. Bien. Alors, parlons d'élections. Alors, la CENI, je l'ai dit, a proposé la dernière fois un calendrier, en fin de compte, qui nous amène au 4 octobre 2018. Alors, le Bloc libéral, aujourd'hui, en tant que parti politique, se prépare-t-il pour cette date? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous pensez de la démarche de l'équipe de Maître Kébé aujourd'hui, dans les perspectives de ces élections locales? J'avoue que j'ai toujours eu des mots durs pour la CENI, mais la nouvelle dynamique qui est en perspective
donne quelques lieux d'espoir. On a vu Québec, avec l'équipe de Québec. Avec l'équipe de Québec. C'est la même équipe, si vous voulez. C'est juste le chef d'orchestre qui a changé. Le Québec était là-bas avant. Peut-être qu'il n'était pas écouté par le Manitou d'alors, qui s'appelait Fofana Bakary. Mais le fait de voir, n'est-ce pas, la CENI, dans les quartiers généraux des partis politiques, ça humanise d'abord. Certes, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'opposition dans nos pays, on déshumanise généralement l'opposition. Le fait de venir là, c'est d'abord montrer à la population que ce ne sont pas des ennemis et que la CENI existe par le fait qu'il y ait ces gens-là pour compétir pour l'électorat. Donc, cette dynamique-là, il faut l'apprécier, il faut l'encourager. Et il faut, n'est-ce pas, féliciter Québec pour cette dynamique. Maintenant, la date. On a connu des dates par le passé. Nous ne souhaiterions pas que ces dates soient comme les autres par le passé. Le BL est en train de se préparer pour le 4 pour février 2018. Pour le 4 février 2018. Et nous souhaiterions que le sort qui a été réservé aux dates qu'on a connues par le passé ne soit pas le même sort qu'on réserve. C'est-à-dire reporté. Reporté parce qu'il y a des motifs d'inquiétude. Comme lesquels, par exemple? Lesquels, parce que la CENI, bien sûr, a préparé un chronogramme, c'est un travail technique. La CENI a proposé une date, c'est au président de la République de l'entériner. Pour l'instant, il n'a pas encore. Il n'a pas de décret d'abord. Il n'y a pas encore de décret. La CENI a aussi demandé 350 milliards de francs guinéens pour l'organisation de ces élections-là. Mais dans le budget de 2017, on a que 115 milliards. 115 milliards. Donc il y a encore un manque à gagner de 245 milliards pour, n'est-ce pas, boucler le budget nous permettant d'aller aux élections le 4 février. Alors, où est-ce qu'on va trouver l'argent? On essaie de nous calmer en disant, oh non, vous n'avez pas besoin de craindre. Il y a les dépenses communes. Les dépenses communes, c'est des dépenses. N'est-ce pas? C'est le chapitre dans lequel on va puiser de l'argent en cas de catastrophe, par exemple. Comme ça se passe, d'ailleurs, sur le territoire national. Je vous apprends ceci. À Guéquédou, dans la sous-préfecture de Koundou, il y a eu un vent violent la semaine dernière qui a décoiffé plus de 100 maisons. Alors, la semaine passée. La semaine passée. Ceux-là sont aujourd'hui à la belle étoile. À moins que ce soit la tradition que cette préfecture ne bénéficie jamais de la solidarité, mais c'est dans ce fonds des dépenses communes qu'on devait prélever de l'argent pour aider ses compatriotes. Il y a, là où il y a inondation, là où il y a catastrophe, en tout cas on vient en aide. Ça, ce sont des choses qu'on ne prévoit pas, qu'on n'a pas prévues. Mais comment on peut nous dire qu'on va choisir dans les fonds qui sont destinés à ce qui n'est pas prévu pour exécuter une activité qui est prévue. C'est-à-dire les élections. Les élections. Alors donc c'est là ça vous comprenez pas la contradiction et donc il faut qu'on nous l'explique parce que si on continue à maintenir ce flou, on peut bien arriver en décembre et qu'on nous dise écoute, effectivement on n'a pas encore eu les 245 milliards qui font la différence pour pouvoir organiser les élections le 4 février. Donc, et nous quand nous avons une date comme ça, ce qu'il faut que les compatriotes comprennent, c'est qu'en tant que parti politique, lorsqu'on nous annonce une date comme ça, nous envoyons des missions à l'intérieur qui vont sillonner partout, etc. Nous avons bien sûr nos activités ordinaires. Mais quand il s'agit d'aller aux élections, on intensifie et le nombre de personnes qu'on fait bouger croît. Il y a des dépenses. Il y a donc des dépenses supplémentaires que nous faisons. Lorsque par après, cette date n'est pas tenue, alors que nous ne recevons pas cet argent de l'État, eh bien, il faut bien comprendre que nous avons toutes les raisons de nous fâcher. D'être furieux contre justement l'État. Et de réclamer qu'on nous rembourse cet argent que nous dépensons et les élections, en fin de compte, ne sont pas organisées. Donc vous faites confiance à la démarche de Maître Kébé, le nouveau président de la CENI, qui a initié la démarche de rencontrer les acteurs politiques. Vous êtes dans les perspectives de cette date du 4 février 2018, donc le bloc libéral s'y prépare, mais sauf que il y a certaines zones d'ombre, que par exemple le budget, ainsi de suite. Justement, le temps que le président prenne aussi le décret qui est attendu de confirmer cette date, on ne peut que se poser ces quelques questions. On va terminer par cette fois-ci les manifestations de l'opposition républicaine. Il y en a eu par le passé.
il y a quelques jours seulement, suivi d'une autre marche funèbre où on a enterré deux jeunes qui ont été atteints par balle. Il y en a qui est prévu demain, sauf qu'on apprend à l'instant que c'est annulé par le gouverneur, c'est encore à vérifier puisque on est sur ce plateau. Mais vous déjà, on ne vous a pas encore vu sur les capots des voitures pour manifester avec les autres. Alors pourquoi vous n'êtes pas encore de retour dans cette ambiance de la rue et qu'est-ce que vous dites de la démarche? Sur la démarche, nous n'avons absolument rien à dire parce que c'est un droit qui est constitutionnel, qui est consacré. Et donc, mais de manifester chaque semaine comme cela? Oui, lorsqu'on est face à une situation qui ne se résout jamais, il faut intensifier. Je ne conteste ni la stratégie ni l'objectif, ni, si vous voulez, le rythme. Ce que je peux dire, c'est que votre absence, c'est un droit. Par rapport à notre absence, il y a deux choses qui sont en train de se faire dans le parti que j'ai l'honneur de diriger. Il y a une consultation qui est en cours par rapport à notre appartenance à l'opposition républicaine. Il est important que nous écoutions d'abord les différents responsables, les militants et sympathisants du parti. Donc, on ne peut pas anticiper sur cela et puis retourner dans une entité à laquelle nous avons appartenu, une entité que nous avons contribué à faire naître, mais une entité qui n'a pas eu l'élégance vis-à-vis de nous, parce que c'est une entité qui, à un moment donné, a considéré que c'était blasphématoire d'avoir un point de vue qui est différent. Et donc, a dit, on ne va même plus les inviter aux plénières parce qu'ils ont un point de vue qui est différent. Alors, ce n'est pas nous qui avons quitté donc cette opposition républicaine et c'est pour cette raison que cette consultation qui se fait au sein du parti est en train de se faire. Bien. Nous écoutons donc ce que vont nous dire nos responsables et nos militants et en fonction de cela, une décision sera prise. Autre chose que nous sommes en train de faire, l'unité, nous sommes pour cela parce que nous sommes en train également de nous battre pour que l'opposition dans son ensemble, y compris l'opposition républicaine, se retrouve pour faire face aux enjeux, n'est-ce pas, du moment. Dans ce cadre-là, les contacts ont été pris, même si certains essaient de saboter. Il faut qu'on sorte de la politique du jeu à résultat nul. Hein, parce que la proposition a été faite par tel, il faut combattre. Les idées que les hommes mettent sur la table ne sont pas toujours les meilleures. Il faut qu'on s'écoute et qu'on comprenne, n'est-ce pas, ce que chacun met sur la table. Si on ne peut pas le faire, eh bien, nous allons continuer à enregistrer échec après échec. Et déjà, nous en avons assez derrière nous. Donc, nous avons entrepris cela. Il y a des partis politiques qui ont donc accepté qu'un comité de réflexion soit mis en place. Ce comité est en train de faire le travail. Tout cela, pour nous, est d'une importance par rapport aux enjeux du moment. Oui, mais dès lors que vous, et ça c'est pour terminer, le Bloc libéral, par exemple, vous dites oui, la CENI a fixé cette date et nous sommes sûrs qu'elle n'a pas menti en disant qu'elle a besoin de 120 jours incompressibles qui nous envoie automatiquement au-delà de 2017, donc au 4 février 2018, en attendant que le président prenne le décret de confirmation de cette date, en attendant qu'on nous donne, on leur donne le reliquat de budget, nous y croyons et nous y préparons. Dès lors, est-ce que même si vous étiez dans l'opposition républicaine à l'instant, vous diriez qu'il était nécessaire de manifester, de marcher? En fait, ça n'invalide pas les manifestations, il faut dire pourquoi. Les manifestations intensifiées de la sorte aujourd'hui. Les manifestations ne sont pas faites simplement pour les élections. C'est vrai que mais c'était le point nodal, c'était. Ça fait partie, mais il y a des points plus importants d'ailleurs que ça. Vous comprenez? Pour lesquels on peut manifester toutes les semaines. Le fichier que nous avons aujourd'hui n'en est pas un. Vous comprenez? C'est un fichier dans lequel je me demande où nos compatriotes. Il y a un opérateur qui va être recruté pour faire le toilettage. Mais il y a longtemps. Je crois que le dossier d'appel d'offres, d'ailleurs, je crois, est fait et tout et tout. Ça devait être fait depuis longtemps. Parce que le danger que nous courons, c'est que si les élections locales, il n'y a pas tellement d'impact de ce mauvais fichier sur ce qui peut sortir de ces élections, ça peut avoir un impact très dangereux sur les élections législatives et les élections présidentielles, par exemple. Parce qu'on a gonflé l'électorat dans certaines régions et on a dégonflé les choses comme l'électorat dans d'autres. Et si à cela s'ajoutent maintenant tous les jeux de choses de donc il y a bien d'autres raisons qui peuvent il y a bien d'autres raisons les gens il y a la, aujourd'hui la CENI elle-même même bien. Si on est aujourd'hui accommodant et on apprécie quelques gestes que prennent les acteurs qui sont au sein de la CENI, c'est en 2015 et c'était exactement en août, peu avant les élections présidentielles, qu'on est convenu de
changer la CENI, du point de vue de sa forme et du point de vue du fond. Bien. Donc, il y a tellement de choses qui sont dans ces accords que ce n'est pas seulement la question électorale. Bien, on va terminer par une question interne au BL, c'est la question Ali Ouba. À un moment donné, on sentait qu'il y a une sorte de divergence de vue entre la position du parti et la position d'Ali Ouba. Ali Ouba, on l'a même vu dans une des manifestations de l'opposition républicaine, alors que vous, vous avez dit que le parti pour l'instant ne manifeste pas, parce qu'il n'est pas encore revenu officiellement dans les rangs de l'opposition républicaine. Le cas Ali Ouba, comment il a été géré, comment il est géré en ce moment au parti BL? Est-ce qu'il est membre du BL ou est-ce qu'il en est sorti? Il est membre à part entière, il est directeur de communication du parti et le parti l'a réglé à l'interne et je crois que tout est revenu en ordre. Tout est revenu dans l'ordre dans le cas Ba Aliou, au BL. Voilà donc comment nous terminons cette émission. Docteur Faya, vous avez une minute pour vous adresser justement à l'ensemble des téléspectateurs, aux militants du BL, mais aussi au peuple de Guinée au lendemain de cette date du 2 octobre. Mes chers compatriotes, d'abord je commence par les militants et les sympathisants du BL. Vous avez été nombreux à participer hier à la célébration du 59e anniversaire de notre indépendance. Je vous félicite, je vous encourage et je vous recommande de continuer à avoir toute la fierté d'appartenir à notre pays qui, certes, fait face à des difficultés énormes à cause de la malgouvernance qu'on a érigée en système. Mais c'est un pays qui a tout pour devenir un paradis terrestre. Et le BL s'est engagé pour cela. Nous devons continuer à travailler pour offrir à la Guinée le meilleur. Par rapport à l'intention de tous les compatriotes, je dis ceci. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'argent que nous avons des routes dans l'état que nous avons. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'argent que nous avons des écoles sans fenêtres, sans tableau banc, sans laboratoire digne de ce nom. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'argent que nos enseignants sont mal payés. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent que nos hôpitaux n'ont pas des choses d'énergie et nous perdons des bébés. Nous avons tout ça parce que la mauvaise gestion est érigée en système. L'impunité est la caractéristique principale de la gouvernance d'avant et d'aujourd'hui. Si vous devez changer cette situation, vous n'allez pas continuer à faire la même chose tout le temps. Vous devez changer de chef d'orchestre pour que tout cela change. C'est pour cette raison que nous vous invitons au Bloc libéral, le Bloc libéral qui peut changer effectivement cette dynamique-là, qui peut changer cette descente aux enfers de notre pays. Voilà donc le dernier mot de notre invité du jour, Dr Faya Milimono. C'était le signe de la reprise de cette émission. Évidemment, après un bout de temps de pause, Dr Faya, merci d'être passé dans cette émission. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà donc à vous, merci de votre fidélité et de votre attention. Et je rappelle que cette émission est diffusée chez nos partenaires de libreopinionguinée.com. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.